Jeep n'a absolument pas souffert de la crise de 2008. Bien au contraire, puisque depuis cette date, les ventes ont même doublé. Et ce n'est pas terminé, puisque les ventes devraient à nouveau doubler d'ici à 2018. Pour atteindre ces objectifs ambitieux, la marque a prévu pour la première fois de son histoire de s'exiler des États-Unis en produisant ailleurs, partout dans le monde. Mais il est attendu aussi que la gamme s'élargisse et considérablement, y compris en Europe, qui accueille pour la première fois un mini SUV, le Renegade. Le Renegade offre une véritable personnalité esthétique qui puise largement ses racines dans la Jeep originelle de 1941. C'est décelable à travers la calandre à cette barrette qui se retrouve imprimée un peu partout dans l'habitacle, les nombreux logos Jeep, mais également les X imprimés dans les phares avant et arrière et qui rappellent le jerrycan de cette Willys originelle. Ce Jeep Renegade n'est pas un inconnu puisqu'il partage ses dessous avec la Fiat 500X. Il est néanmoins identifiable au premier coup d'œil et assimilable à une vraie Jeep, et certainement dans sa version Trailhawk, laquelle se distingue par une garde au sol surélevée, un coupleur intégral, une boîte auto 9 rapports et un système de sélection du terrain qui permet de calibrer toute l'électronique pour favoriser la motricité. Les versions grand public du Renegade sont évidemment plus raisonnables, deux roues motrices et une gamme de motorisation plus traditionnelle comme ce 1600 Multijet que nous avons aujourd'hui à l'essai. 120 chevaux, 320 Nm, une puissance qui suffit largement à la tâche et qui offre même un certain agrément. Petit bémol toutefois, une consommation un peu élevée, comptez 7 litres aux 100 km. Sur la route, le Renegade se montre précis, très agréable. Certes, l'amortissement est un peu ferme, mais c'est largement compensé par une très bonne insonorisation. Avec ses traits simplifiés et sa face avant anguleuse, le Renegade apparaît plus imposant que ses rivaux. Et ce n'est pas qu'une idée, puisqu'avec 4,23 m, la voiture se situe 10 cm au-dessus d'une Mini Countryman. Mais c'est au bénéfice de l'habitabilité, puisque la voiture accueille très confortablement 4 personnes. Petite déception du côté du coffre, toutefois, 351 litres, c'est 20 litres de moins que le Renault Captur. Cette nouvelle Jeep Renegade est une véritable réussite. Bien sûr, elle perpétue une des valeurs essentielles de la marque, à savoir le franchissement, mais elle fait surtout souffler un vent de fraîcheur sur le segment, avec des prestations routières intéressantes et surtout un design jeune, personnalisable et une finition qui dépasse celle de sa principale concurrente, la Mini Countryman.